Tommy Reginensi de la team du CAC qui va revenir avec nous sur sa belle prestation parce qu'une décision très difficile face à un adversaire du Romal. Alors bonjour à toi Tommy. Merci, bonsoir. Alors est-ce que tu peux revenir avec nous sur ton combat? Bah ça a été un bon combat pour moi au niveau cardio. Ça a été, j'ai fait ce qu'il fallait faire, ce qu'on m'a appris et surtout ce que je savais faire. Donc j'ai suivi le programme à la lettre comme on m'a dit de faire par rapport à Ahmed et à Duka. Donc automatiquement j'ai fait honneur et puis ça a porté ses fruits. Voilà. Un très beau combat, un très bon sol, notamment on se souvient de ce mouvement en semi-hippon dans le deuxième round. C'est ça, il est venu tout seul, donc automatiquement, un vieux réflexe on va dire. Tu as fait du judo avant. C'est ça. Tu en avais fait en niveau de compétition ou... C'est ça, niveau compétition, oui, j'ai fait du judo, mais après, bon, j'ai arrêté, je me suis reconverti justement au MMA. Alors donc, est-ce qu'on va te revoir bientôt? Parce que c'est la question finalement aujourd'hui. Très bientôt. Tu as déjà une organisation bientôt à nous annoncer ou... Bah, on va essayer de faire le prochain UFC. On va continuer comme ça. Et puis après on verra dans tous les cas. En tout cas, une belle victoire pour cette team Duka qui lance bien cette soirée. Et merci à toi pour l'interview. Merci à vous. Et puis à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.